Veni ad hoc, prosternons-nous devant l'agneau. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Veni ad hoc, prosternons-nous devant l'agneau. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Faisons luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Que les nations jubilent et chantent, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture, sur la terre tu gouvernes les nations. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. La terre a donné son produit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Venez, adorons, prosternons-nous devant l'agneau. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour notre pauvre de l'âme. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi. Tu es devenu la pierre d'angle de l'Église, pierre choisie, précieuse aux yeux du Père. Tu as réconcilié tous les hommes en un seul corps. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi. Tu nous as fait revivre,
Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux innocents au cœur pur, il n'a point l'homme empli nos vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la grâce de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qu'il est ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Portez, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Psaume 144. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je veux te bénir chaque jour, louer ton nom tous jours et à jamais, Dieu grand et louable hautement, à sa grandeur point de mesure. Un âge à l'autre montera tes œuvres et fera connaître tes prouesses. Ton immense splendeur de gloire, je le répète, le récit de tes merveilles. On dira ta puissance de terreur, et moi je raconterai ta grandeur. Faisons mémoire de ton immense bonté, chacun acclamera ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses contre toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent, Dieu, de ta promesse. Pour annoncer aux hommes tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous les yeux sur toi, ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu rassasies tout vivant à plaisir. Justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres.
prêche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le plaisir de ses fidèles, il le fait, il entend leur cri et les sauve. Il garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom. Je veux dire la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Cantique d'Isaïe, page 297. Ô Jérusalem, battue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes bottes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Terre sera le nom de tes fils, et terre aussi la justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Psaume 99. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Acclamez le Seigneur, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans
de Saint Cyrille de Jérusalem au IVe siècle, deux aspects de la foi. Le mot foi est unique en tant que vocable, mais il a une double signification. Il a en effet un aspect de la foi qui est dogmatique et qui concerne l'assentiment de l'âme sur telle vérité donnée. Cet aspect de la foi est profitable à l'âme, ainsi que le dit le Seigneur. Celui qui écoute mes paroles et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il échappe au jugement. Et encore, celui qui croit dans le Fils n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a un second aspect de la foi. C'est la foi qui nous est donnée par le Christ comme un charisme, car à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de science selon le même esprit, à un autre la foi dans le même esprit, à un autre le charisme de guérir. Cette foi, celle qui nous est donnée comme une grâce par l'Esprit Saint, n'est donc pas seulement la foi dogmatique, mais elle est la puissance de réaliser ce qui dépasse les forces humaines. Celui qui possède cette foi dira à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacera. Car lorsque quelqu'un prononce cette parole avec foi, en croyant qu'elle va s'accomplir et sans hésitation intérieure, alors il reçoit la grâce de sa réalisation. L'âme se représente Dieu et le contemple autant qu'il est possible quand elle est éclairée par la foi dans le Christ. Et donc, pour ce qui dépend de toi, cette foi en Christ, afin de recevoir de lui celle qui accomplit des œuvres qui dépassent l'homme. Alléluia, 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 alléluia. Déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé
et il souffre terriblement. Jésus lui dit : Je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient : Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion : Rentre chez toi et que tout se passe pour toi selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous donner qu'affranchi de la crainte, et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servirons en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Prends pitié de nous.
chantons avec Marie, terre de la promesse, au coule de lait et de miel. Elle a donné au monde le pain de la vie, le Christ Dieu qui a pris chair en elle. Tu nous guéris et tu nous donnes la vie, toi, notre Dieu, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce.